Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le journal l'après-midi. C'est un plaisir pour nous capable porter pour deuxième paraître journal là sous Chanel Paula. Mais quelques principal titre n'a pas pour nous développer dans le journal l'après-midi. Les examens continuent à tuer les gens dans Saint-Ville Port-au-Prince. Il y a une autre attaque à Kazam enregistré dans la nuit de lundi 21 d'août dans la rue de la Réunion côté deux monde mourir et une autre sorti blessé. Gang Kokoat Sanras a kidnappé un autobus ak tout passager li. Un autobus compagnie transport Patrick Kouchlaï détourné bien bonnet matin mardi. C'est même gang Kokoat Sanras qui commet zak la. Bandi yo mette un groupe gang dans localité Tibouadom qui trouvait entre Bassin Bleu ak Gromon. Gagné ti budget ainsi connu qui mortellement blessé dans échange coup de balle avec la police pendant une opération policière SDPJ à Udmon à département d'Opia. Mené à hier lundi 21 d'août là dans quartier Konasa dans Trieste-Ville Cap-Haïtien un revolver calibre 38 qui gagne deux cartouches la police t'est trouvé en possession nos petits budgets ainsi connus. Gagné ça qui habitant passispan na plongé dans la misère c'est chaque jour bon Dieu mettait base grand griffe sa vie à piller puis porter aller tout ça au posséder ensemble localité yo mardi 22 d'août la bandi yo tiré en pile coup de balle dans localité Belanger qui connaît qui quitté gros panique dans mitan population. Gouvernement haïtien en haut conseil transition au état major police nationale la corps diplomatique la rencontré hier lundi en délégation kenyane pour première visite terrain en Haïti. Délégation kenyane qui composée 10 monde arrivé dans pays d'Haïti dimanche 20 août là pour une première évaluation situation haïtienne là sous terrain en perspective pour porter support à renforcement capacité la police nationale d'Haïti Jean exécutif haïtien te mandé ça en octobre 2022 et puis réitéré par premier ministre Ariel Henry en juin 2023 dans une nouvelle correspondance yoté adressée par secrétaire général Nations Unies. Ancien ministre justice et sécurité publique Jean-Paul Denis dit pas attendre rien avec délégation kenyane qui rentrait dans pays. Paul Denis pas mettre l'eau dans bouche pour critiquer communauté internationale là qui complice dans kembe pouvoir ça malgré les pas réglé rien pour soulager population surtout avec phénomène insécurité. Nous fait référence avec pouvoir rien Henri. C'est pour ça avec diverses autres qui parlent fait essentiel journal l'après-midi en red branché n'a. Une autre fois, gros bonjour, gros bonsoir pour nous tous. C'est un plaisir pour nous capables porter le journal là pour après-midi à micro-présentation. Moi-même, Jean-Wilner Siver, pour coordination avec rédaction, c'est toute l'équipe, ça, la nouvelle là. Malheureusement, c'est avec une nouvelle, ça, nous avons commencé le journal l'après-midi, Les examens continuent à tout le monde dans Sainte-Ville, Port-au-Prince. Il y a une autre attaque à examen enregistrée dans la nuit, lundi 21 d'août, dans la rue de la Réunion, côté deux mounes mourir avec une autre blessée. C'est un exam capsi qui est sous moto qui commet un zak là, selon quelques témoins. Celle n'a déroulé dans un barber shop qui pour un policier, madame propriétaire, a sorti blessé dans l'attaque. Ça l'a poursuivi à soin qu'elle est mérité dans un hôpital. Ayer lundi, plusieurs quartiers dans métropolitaine n'a tient bas coup de balle. Mon cap vif cap fou fait à clé la voie te connaît une journée tension. Gang Kokoat Sanras a kidnappé autobus avec tout passager. Un autobus compagnie transport Patrick Kouchlaï. Tourné bien bonnet matin mardi c'est membre gang Kokoat Sanras là qui a commet zak là bandi yo mette yon groupe gang dans localité Tibouadom qui trouvait entre Bassin Bleu ak Gromon. Selon premier élément information yo bandi yo kidnappé tout passager qui était dans autobus là ti sorti Port-de-Paix l'étape rentré Port-au-Prince. Jusqu'à maintenant n'a pas information ça zami internaute pour qu'on get top détail sur quantité moun qui était dans bus et puis qu'on est si ravi sérieux contacter yon namab famille victime yo. Gen ti budget si connu qui mortellement blessé na échange coup de balle avec la police pendant opération SDPJ ak Udmo te mené ayer lundi 21 d'août là na quartier Konasa qui trouvait l'entrée S ville Cap-Haïtien. La police joine yon revolver calibre 38 qui te gen deux cartouches par la suite na cadre yon perquisition domiciliaire qui te fait en présence yon juge de paix juridiction 6 cartouches calibre 4 mm, 4 cartouches, calibre 5.56 mm, 2 couteaux,
Et puis l'autre matériel, la police te joigne la Kaiti budget. N'a noté ti budget te spécialisé dans volet exam et puis également c'est un membre gang qui a opéré dans gare routière pour neuf là. La police dans le département nord pays dit la poursuivre avec opération policière yo dans l'idée pour démanteler toute foyer gang qui a gain intention nuit bon fonctionnement population. Dans ça qui avec délégation kenyan qui rentre en Haïti depuis dimanche, il y a bien pour passer 3 jours, il y a bien pour gain diverses rencontres d'ailleurs, il y a rencontré diverses personnalités, diverses autorités dans le pays. C'est cas pour gouvernement haïtien, au conseil de transition, au état-major, police nationale, l'accord diplomatique là qui était rencontré délégation kenyan pour première visite terrain en Haïti. Délégation kenyan qui gagne 10 monde est arrivé en Haïti dimanche 20 août là pour une première évaluation situation haïtienne sous terrain en perspective pour porter support à renforcement capacité police nationale là agent exécutif haïtien demandé ça mois octobre 2022 et puis premier ministre a refait de mandat dans mois juin 2023 dans une nouvelle correspondance qui a été adressée par le secrétaire général des Nations Unies. Nous là pour évaluer besoin police nationale d'Haïti puis bien comprendre situation et faire tout ça possible pour nous venir en aide à peuple haïtien. C'est une déclaration chef de délégation kenyan, ambassadeur George Orina, directeur général affaires bilatérales et politiques ministère affaires étrangères et diaspora Kenya. Premier ministre Ariel Henry expliqué une autre fois demande haïtienne qui s'est appuyé police nationale dans l'idée pour établir sécurité sur territoire national et puis pour permettre libre circulation moun ak bien. Enseignement qui tire dans précédente mission yo pour permettre à gouvernement et puis communauté internationale pour gagner une approche différente et puis choisir pour gagner une force multinationale qui puis adaptée l'aide pour capable porter un soutien effectif à PNH là et puis permettre à Haïti pour gagner une force police qui capable à faire face à nouvelle forme criminalité pendant y a continuer coopération yo avec BINU. Délégation kenyane qui était rencontrée dans le pays d'Haïti avant de venir en Haïti, pays et puis groupe qui a travaillé sur une solution à crise sécuritaire haïtienne d'après gouvernement qui fait qu'on est une après l'autre, il y a comprendre demande haïtienne et puis urgence qui gagne pour mettre fin avec une situation qui paralyse fonctionnement pays et puis mettre avenir citoyen en danger. Kenya était membre non permanent conseil sécurité, il était engagé depuis 89 dans mission maintien de la paix. Troupes kenyane yo bénéficié yon longue expérience dans Kosovo, Yougoslavie, Sierra Leone, Timor, Somalie, Soudan, Angola et Latrie. Ou état-major police a tenu première rencontre avec une délégation kenyane pendant matinée avec yon déjeuner travail avec un membre corps diplomatique là qui t'ai fait suggestion et puis t'ai informé disposition qui doit prendre pour concrétiser aide by la police nationale là pour un retour à la vie normale dans le pays. Délégation kenyane qui a prêté dans le pays jusqu'à demain mercredi, yo prévoit rencontrer ou état-major police nationale là pour une journée de travail avec un premier ministre pour un débriefing fin de mission. Réaction bien rapide sous la visite délégation kenyane. Gen un pile bouche l'ouvri sous délégation. Délégation qui gagne 21 personnalités kenyane rivié dimanche dans le pays d'Haïti. Selon diverses sources littérales dans l'ambassade américaine, yon démarche qui soulevait un pile la question nan niveau population. À travers visite prospection, sa autorité kenyane voulait évaluer situation sécuritaire pays avant yon prend leadership yon force multinationale pour combattre gang en Haïti. Citoyens ont dit, yo saisi attendez pendant visite ça membre délégation terrain d'abord dans ambassade américaine qui trouvait en Haïti dans commune Tabar. Yo mandé ça qui ta à la base d'une telle décision. Selon Antoine Pierre, un jeune entrepreneur qui était chassé par gang en Borepo, c'est un mauvais signe. Ça pouvait arriver une force multinationale en Haïti pas pour résoudre un problème de sécurité puisque américain yo était réticent pour te assurer leader chip a fait ça, yo pral télé guider Kenya nan intérêt pa yo. Yo grand moun ki ka yon bon samaritain avec trois petits li mari et puis yon jeune fille 18 l'année déclaré yo quitté atelier couture yo nan résidence nan plein nan sinon yo même force multinationale ça a pral diriger avec main invisible yo prend yo longer doit yo bien long sous gouvernement américain comme quoi c'est le même cap diriger mission si là. Mission évaluation doit passer 3 jours, j'en te dis ça a déjà zami internaute.
Police nationale d'Haïti a déjà élaboré un document qui gagne cartographie zone contrôlée par gang yonalité pour soumettre par délégation kenyane. Bon côté citoyen, nous sautons des réactions. Maintenant, nous parler avec ensemble des leaders politiques. Maître André Michel, porte-parole secteur démocratique et populaire, qui félicitait Rivé Mission Kenyan en Haïti. Nous pas qu'à sortir en bas problème, phénomène kidnapping, avec insécurité qu'une guerre d'un pays sans aide d'une force internationale. Peuple haïtien doit gagner un déploiement d'une force multinationale qui doit appuyer police dans la lutte contre insécurité et kidnapping. C'est ça incapable pour Maître André Michel dans cadre à tout ça les faits. Et puis après ça, gain Paul Denis n'a pas pour nous venir avec déclaration l'ancien ministre de la justice et de la sécurité publique il même Powell consa responsable parti ni force déclaré il pas entendre rien positif délégation ça qui entraîne un pays dans perspective une force multinationale côté Kenya pour assurer leadership en d'un pays. Dirigeant politique a dénoncé le fait que pas une volonté pour résoudre situation sécuritaire qui gagne d'un pays. Cependant, bon côté docteur Jean-Enol Buteau, il croit que c'est lui montrer ça pas bien hein, c'est moins pas une position dogmatique quant à avec un éventuel déploiement force multinationale. Toutefois pour le parti alternatif socialiste là, il croit que qui est-ce qui a force ça, qui est qui peut gagner engagement en cas de force ça. Mais c'est lui-même lui a pas attendre, lui pas attendre gros bagarre dans même mission kenyane qui présente dans pays d'Haïti. Délégation ça qui est conduite par sous-inspecteur général police administration Nungabo, parmi objectif visite c'est explorer situation sécuritaire pays qui ont duré 3 jours pour achever mission en Haïti. Situation insécurité qui gagne en pleine dans la cause en pile mon obligé quitter Kayo c'est cas pour frère Luxon qui te gagne orpheline dans zone ça qui tape des petits monde qui kon dans la rio et ben gang yo déloger li dans la rue et la chercher un espace pour l'été avec timon yo après elle était obligé quitter local qui était trouvé dans plein nan Luxon Jacques fondation lien yon l'autre fois encore obligé prend la rien hier lundi pour capable protester li te gagne avec li timon yo Luxon Jean lancé appel by autorité yo pour yo ba un espace li fait référence avec centre d'accueil Delma 3 par exemple pour loger timon yo en attendant gagner un phénomène insécurité en fond posé dans plein nan. Il se passe là pour qu'on y a les vides, natif cité solaire qui dit l'esprit autorité a pourtant décrit, et puis à comprendre misère, timon yo a passé à permettre fondation que l'âme dirigée a occupé local en question. Depuis vendredi soir, Félix Son a timon yo quitté à local fondation à cause situation sécuritaire qui gagne dans zone. Gagne une rencontre qui a fait avec un partenaire sur rentrée scolaire MAB Cluster Education, n'adité pour apprécier ça pour programme pour année académique là qui a venu. Message ministre est clair, toute intervention partenaire doit aligner avec 7 axes prioritaires qui définit pour nouvelle année scolaire, savoir soutien by timonio, soutien by parayo, apprentissage, inclusion, enseignant, formation, dialogue social, modernisation avec service à usagers. Pour chaque axe yo, titulaire éducation nationale a décliné quelques actions qui envisagées pour démontrer cohérence stratégique à rapport avec document politique ministère. Pendant la rencontre, ça a gagné quelques participants de façon synthétique qui présentaient quelques actions considérées pour année scolaire qui pourraient venir là pour qu'ils débat déjà soumettre gris intervention office partenariat en éducation. Non, même ça, ministre éducation n'a été proposé problématique si mon déplacement pour suivre distribution échelle nationale et scolaire uniquement en créole haïtien pour classe première à la deuxième année fondamentale et sous nécessité pour partenaire assurer implication direction départementale éducation dans planification conduite et suivi opération. L'autre rencontre a été organisée avec un groupe sectoriel dans affaires éducation et puis groupe local partenariat pour éducation en Haïti. Pendant la rencontre ça, il y a ministre Nesmi Maniga, directeur cabinet lead docteur Jacques Abraham, directeur général ONAPEA docteur Hervé Boussico, coordonnatrice générale programme national cantine scolaire Gina Delatour, coordonnateur général pôle enseignement et qualité Joseph Job Maurice, coordonnateur direction départementale éducation Jean Wilnor Pierre, Auguste Demisa MAP cabinet ministre, plusieurs directeurs techniques ministère. N'a pas tourné sous question ça qui gagne non Kafoufeuille, c'est divers rapports qui absorti, dans un rapport qui paraît ailleurs le dit, en cette analyse à recherche dans affaires de Douamoun, attiré,
attention autorité aux situations critiques des places internes Carrefour Feuillot qui est papillé dans divers sites hébergement. CAD lance appel à un meilleur regard sur des places. Cette analyse à recherche dans les affaires d'Oamoun décrit une situation alarmante des places internes Carrefour Feuillot qui a fui violence gang. 8 jours après cette analyse à recherche dans les affaires d'Oamoun a fait visite une évaluation dans 5 ans parmi 20 sites qui logent des places internes. Il y aura vivre dans une situation très critique malgré intervention certaines instances étatiques et humanitaires selon institution. Dans le lycée Carrefour Feuillot, principal site au côté logé presque 3000 déplacés internes handicapés et un monde qui gagne malade mental y a vivre là pas gain aucune intervention qui fait sinon une organisation qui distribuait et plat chaud selon constat institution. Situation ça capable expliquer à cause d'un problème sécurité pour personnel là ak matériel institution étatique et puis humanitaire toujours d'après CAD. Par rapport avec constat yo centre analyse ak recherche dans affaires droit monde identifié besoin urgent tant que lampe solaire yon prise en charge spéciale pour yon malade mental qui vient violent, appui psychosocial, manger, accessoires, kit hygiénique, nettoyage externe et interne, douche pour protéger intimité femme active. Gymnasium Vincent, l'autre gros côté qui est un pile déplacé, yo mon pile monde c'est sous la croix, semble ces sites qui bénéficient plus attention. Plusieurs instances étatiques et organisations humanitaires yo intervenu d'après organisation Cap défendre droit monde. Si ça, nous permet tout côté intervention, mettre Gédéon Jean pour plus de détails. Dans le cadre de vireront ça, ils ont fait dans divers centres hébergements pour regarder combien, comment moun yo a vivre et ils ont soulevé divers points nécessités pour que moun se capable de accompagnement, moun se capable de psychologue qui accompagne, surtout, groupe de moun sa yo qui, après ça, au fin subi, faut que yo gen des psychologues qui pour aider yo gen qui perdit proche yo gen qui perdit tout bien yo pour capable aider groupe de monde sa yo qui dans situation difficile amis internautes et tempête tropicale là qui annoncé pour jeudi mardi ak demain mercredi an kadil préoccupé pour gros la pli ça pas risqué fait gros dégâts situation pas différent dans l'autre site hébergement à cause par rapport avec constat kad fait les lancer un cri d'alarme dans les dépôts instanciaux faire un puis bon coordination sur terrain et puis identifier besoin particulier chaque site puis intervention urgence efficace qui répond à besoin déplacé. L'État de mettre en place un plan relèvement économique et social urgence pour aider déplacé. Ministère d'éducation nationale et formation professionnelle de prendre en compte ti moun qui déplacé par rapport avec réouverture des classes qui prévoit fête 11 septembre qu'a venu là. Centre d'analyse et de recherche en droit de l'homme présenté jeudi à une évaluation de situation qu'on fait là 8 jours après. Donc après, CIDH a présenté un rapport partiel et sur les victimes et malgré celui c'est qu'on fait là qui logé qui c'est principal site déplacé yo, eh bien vraiment pas gagné aucune intervention qui fait là. Sinon gagné un ONG qui abaille de placho. Donc son bagage qui était important sur nous attirer autorité attirer attention autorité yo système humanitaire là sous situation ça. Bon, la discussion que nous fait avec qui plan nous expliquer yo faut que yo faciliter accès hein, puisque nous ka comprendre que il était difficile pour institution étatique yo pour système humanitaire là té monter Carrefour Feuillot ouais et côté que hostilité t'a continué mais avec intervention de la police qui est un peu repoussé et gang yo et qui permettent que accès à plus ou moins sécurisé. Donc nous encourager système humanitaire là, nous encourager instance étatique yo pour voler au secours de ces gens là vraiment qui vivent dans une situation très compliquée gens que nous décrit là. Et deuxième élément qui est important dans visite ça qui était concerné 5 principaux sites sur 20 parce que mon logé globalement dans 20 sites bon bien évidemment tout site pas gain même importance mais depuis aussi l'été nous t'ai identifié 20 sites donc dans 4 visites ça que nous t'ai fait que 4 t'ai fait hier nous t'ai priorisé 5 principaux sites qui c'est lycée Carrefour Feuillot qui c'est gymnasium Vincent qui c'est Ciné Eldorado qui c'est école Tertullien L'Éclair et puis gagnait aussi école et Place Calbois que nous t'ai priorisé pour nous t'ai garder situation. Maintenant, en termes de besoin, on a retourné sur question quand vous faites là encore, que nous avons discuté avec nous, il y a besoin urgent, donc il y a besoin d'éclairage,
puisque on a géré vraiment tout le monde ça a un problème d'éclairage, c'est important. Il y a besoin de prise en charge spéciale pour Mounio, pour les nourrissons, pour les enfants et pour des monde qui paraît folle, qui paraît c'est important. Et gagner également des soins de santé pour globalement pour différentes catégories qui vulnérables. Et gagner en termes de besoin tout appui psychosocial, nourriture accessoire, kit hygiénique, nettoyage interne et externe. Parce que vous imaginez que depuis 8 jours pour gérer quantité de place ça yo, nous espérons ça qui va gagner intervention qui fait ou qu'à comprendre dans qui situation que Mounia a évolué. Et puis il y a aussi également les femmes et les filles qui besoin ont attention particulière. Il est important à ce que ils mettent des systèmes pour protéger et intimité Mounia. Donc ce sont des besoins urgents provisoires que nous avons continué de travailler pour capable gagner en liste et très clair sous besoin. Maintenant, les 4 autres cités, à savoir Gymnasium Vincent, École Municipale Calbonne, Collège L'Éclair, Tertullien, Signal Dorado, qui gagnent environ 2000 déplacés internes, près de 500 enfants, et ont gagné vraiment en vingtaine de nourrissons. Donc c'est des situations qui sont extrêmement difficiles. C'est vrai que Gymnasium Vincent est son site qui bénéficie d'une attention, en plus grande attention comparativement avec l'autre site. Yo. Mais quand même, besoin est toujours là. Après, tourner sous question intervention, éventuelle intervention militaire, nous prallons avec ancien ministre de Justice et Sécurité publique qui dit pas attendre en rien avec la délégation kenyana qui rentre dans le pays. Hein, pour la Denis Patmedlo dans boucherie pour critiquer ce que la communauté internationale a dit qui complice dans Québec pour voir ça, malgré le pas réglé rien pour soulager misère population, surtout avec un phénomène de sécurité. En côté Paul Denis pour plus de détails. Donc, Adjo, arrivé mission, il n'est pas ferme ni chaud ni fret. Moi, ouais, mission, quantité de mission qui était à l'étranger qui vient ici, et notamment en ce qui concerne les problèmes justement de sécurité, de stabilité. Il y a eu, au début de ce siècle et au début des années 2000, on voit une mission des Nations Unies qui rentrait pour aider avec des milliers d'hommes. On voit une professionnaliser la police nationale, créer un climat de paix, de stabilité dans le pays. Il fait 13 ans. Après 13 ans, il y allait, il quittait le pays à l'État qui plus mal passé gens, il était joigné les rentrés. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire, jodi à là, si on dit Nations Unies a venu là, la vini, parce que nous avons des problèmes de sécurité dans le pays, il est venu pour résoudre ou aider à résoudre. Et moi-même, chaque chose de l'an de l'eau chaud, les lois d'eau faites, les courir. Moi-même, personne pas qu'à faire. En vrai, mettez dans tête, moi, que il y a venu là pour venir régler questions ça, qui sont questions fondamentales liées pour nous. Et c'est les moins pour nous, quoi. Naturellement, m'a dit, tout en passant. Problème de sécurité qui vient dans le pays. Nous pas les gens qui nous dirigent, pas jamais porter la réponse qu'il faut pour faire face à ces bandits, à ces terroristes qui ont détruit le pays. Comme il n'y a pas de réponse approprié pour nous écraser ces bandits, eh ben, il y a proliféré, il y a plein tout pays, à et sous contrôle, yo. Et puis, nous-mêmes, nous chita avec des dirigeants impuissants qui ont un seul bagaille, était là, la prière internationale pour l'international venir regarder, ça l'a venir faire pour nous. Alors, en passant, il faut dire de façon nette et claire, de façon forte, que situation ça n'a vivre en pays, là. C'est le fruit de l'action conjuguée d'une série de forces interne et externe. Je veux parler de l'international, tout particulièrement des États-Unis d'Amérique. Je parle d'une grande partie de notre oligarchie, c'est-à-dire l'oligarchie la plus répugnante qui était capable d'exister au monde. Et puis, on l'a trié politiciens qui mettent ensemble pour conduire le pays à côté lié là, la journée aujourd'hui là. Ils ont fini de mettre la journée aujourd'hui à côté lié là, et puis pas de personne en charge qui dit eh bien, moi-même, puisque là, m'en charge, eh bien, mais ça me fait pour me régler question ça. Moi-même, je fais partie de ça, il t'a carré la classe politique. Mais la classe politique, son bagage divers, en pile toute qualité là-dedans. Et moi, constaté, avec vraiment, en pile tristesse, il y a beaucoup de gens qui rentrent en politique pour régler des affaires de plan ou des affaires personnelles. Que l'on garde pour chercher les ressources interne pour régler question. Mais on n'a pas fait cet effort. Nous gagnons une police nationale. Actuellement, nous connaissons, nous connaissons force et nous connaissons faiblesse. Cette police nationale doit être épurée. On travaille d'épuration qui doit être faite au niveau de la police. Nous gagnons un embryon de, et qui relève l'armée d'Haïti. Qui là? 3 000 à 4 000. Et on,
il y a un bras étranger qui, depuis combien de temps, s'oppose à ce que on construise véritablement dans ce pays, on l'a en notice. En tout cas, ça gain là, nous qu'à mettre là avec police nationale là, former, armer et faire appel à la mobilisation citoyenne. Parce que nous déjà ouais des exemples. L'un pays à côté, l'action citoyenne additionnée aux forces de police du pays, nous a qui résultat urbain. Naturellement, je suis un homme d'ordre et cela doit se faire de façon organisée, bien orientée, contrôlée. Si nous faisons ça, si nous mobilisons, font mobilisation citoyenne et mobiliser la police et l'embryon d'armée au sein d'un pays, on est à même de résoudre ce problème en peu de temps, en très peu de temps. Gagne Jean-Aubert Bossé, même position pour ancien député Jean-Aubert Bossé qui dit le parcours délégation ça a porté un bagage sérieux pour population. Ancien parlementaire, ça lui appelle qu'il lançait pour mobiliser un pays en contre pouvoir en place en côté Jean-Aubert Bossé. On est capable de dire que c'est démarche de mise en scène là qui a pu continuer. Donc, c'est toujours même démarche-là pour humilier paysan, montrer que nous pas capables d'assumer responsabilité nous comme peuple, comme l'État haïtien, qui premier rôle en l'État normal, c'est assurer sécurité population. Donc, nous capables, ouais, l'arrivée de délégation de pays Kenya, nous pas capables de qualifier lui que c'est l'amputé, c'est moun qui sous béquille là, qui a baillé la main à soi-disant moun qui sous deux pieds là. D'accord? C'est ça m'a regardé, c'est police ça qui pas capable, yo dit qui pas capable, pas dit qui pas capable là, et c'est lui-même qui a assuré délégation pays qui a vu mettre l'ordre en Haïti. Donc c'est Kenya, pays qui yo dit qui a vu mettre l'ordre, vient résoudre problème de sécurité la caïnou, et c'est même police nationale ça yo dit qui pas en situation pour assurer sécurité population hein, qui a assuré la sécurité de la délégation kenyane. À ma connaissance non, mais pas qu'on ait aucune organisation haïtienne ou bien parti politique ou bien institution ou société civile qui invité pour rencontrer délégation pays Kenya. Mais moi-même, Jean-Aubert Bossé, l'ancien député PL, de par position que m'a exprimé à longueur de journée dans le pays, que la solution, c'est une solution haïtienne que lié, et nous en situation là de Kiskeya pour nous capables de faire. J'en habite faire dans l'histoire déjà, et récemment, le 24 avril dernier, ça a opéré les mouvements Bois-Caléen avec une population les pieds nus. Mais yo ni pied à terre sans âme nan men yo, yo te rive fait bandi armé yo fait bac, et grâce à la population haïtienne nan, l'air métropolitaine de Port-au-Prince, à l'exception du tabac, te rive gagné yon trêve, un répit enlèvement qui t'a fait à longueur de journée dans le pays. Donc c'est la preuve que nous capables. Donc moi pas jamais entrer dans une logique comme ça. Aucune attente, sauf des idiots ou des gens qui ignoraient totalement la réalité politique dans le pays aujourd'hui, hein, ou bien qui pas bien imbu de plans qui cocoptaient par l'international certaines ambassades de pays étrangers, dans une combinaison avec des acteurs locaux, particulièrement ceux et celles qui font partie de gouvernement Alliance et PHTK 3e version, qui est capable de comprendre ce qu'a réglé là. Secrétaire général parti politique uni dans quoi toute intervention militaire s'en prend en considération ensemble proposition à collectif parti politique de janvier yo document yo remettre by délégation hein, si a plavé messi a tes si pas prend en compte document ça yo remettre en côté Clarence Renoir qui c'est secrétaire général parti politique uni qui fait partie collectif parti politique 30 janvier.
objectif là et faire des réflexions. Et c'est, on est capable de dire, fondamentalement, il y a un objectif que nous fixons tête nous depuis que ensemble de partis politiques ça y est réunis sous la belle collectif des partis politiques du 30 janvier. C'est faire des réflexions sur crise haïtienne en général. L'homme dit crise d'âme prend de manière vraiment générale, c'est-à-dire politique, éducation, économie, sécurité, etc. Et produit des réflexions pour que nous adressions problèmes yo de manière scientifique et pour chercher solution durable à problème mieux qui posé. Problème de sécurité à nous connaître posé, l'y poser de manière cruciale parce que nous est ça qui a passé dans le pays à journée aujourd'hui, mais son baraque il a depuis longtemps. Donc nous produit des réflexions sur lui-même, nos aspects politiques et nos aspects techniques et qui là que nous souhaitons remettre à autorité haïtienne mais à communauté internationale là, nous recherchons une solution pour problème crucial d'insécurité qui gagne dans le pays à. Et pas besoin de retourner dans le détail, nous connaissons déjà. Donc, le nous gardons nous que gon mission qui en route pour venir en Haïti, nous pas qu'à empêcher une mission en venir et gon nécessité effectivement pour résoudre problème de sécurité ça pour la vie qu'à reprendre. Eh ben nous réfléchissons sur lui-même. Nous voyons que son problème qui politique d'abord interne, c'est-à-dire problème de gouvernance, pas une gouvernance dans tête pays à réel, une gouvernance légitime, pas gagner une gouvernance tout dans tête institution de sécurité New York qui pour bailler l'ordre, qui pour faire ça bien pour faire comme travail à côté de faiblesse et on est capable de dire qu'il gagne en termes techniques et un équipement qui gagne dans l'institution de sécurité nous yo, mais nous connaissons un problème à la base qui sont problèmes fondamentaux, sont problèmes de gouvernance politique. Maintenant, nous faisons des réflexions que nous portons et pour même mission d'évaluation Kenya qui vient là pour connaître que c'est pas un problème comme ça au monde qui vient résoudre et nous aller dans la racine problème là, poser problème politique là et nous poser problème technique là. Et nous dit et pour me résumer le problème là, son problème politique. Je dis en absence d'un gouvernement légitimement élu par le peuple démocratique, en l'absence d'un parlement qui t'a doué là pour étudier proposition Nations Unies fait pour avoir une force multinationale en Haïti pour résoudre problème de sécurité qui gagne, hein? Il faut que communauté internationale la fait attention pour ne pas résoudre problème non en dehors d'aspect politique là. Donc faut que tu gagnes un consensus politique qui joigne dans société à sous question ça sur mission qu'a venir, parce que mission pas doit venir pour venir renforcer un gouvernement qui est illégitime et illégal, mais il doit venir vraiment pour le servir peuple haïtien, hein? Et ceci en attendant que gagne des autorités légitimes qui viennent prendre question sécurité ça en main. Donc dans papier et politique, dans aspect politique question à nous étudier. Et nous dit que gagner un problème politique qui posait journée aujourd'hui à la donc gouvernement monocéphale qui pas bail résultat, il faut que un accord politique qui t'a entériné quelque part arriver dans mission pour que mission va venir bride sous ça et puis pas venir régler en qu'un rien. Donc la réflexion pas nous, nous dit faut qu'il efficace, pour l'efficace faut qu'il garder sous erreur passé, parce que pendant 20 dernières années passées qui ça nous constater, nous constater que tu as une pile mission internationale sécurité qui vient dans le pays mais qui pas jamais résoudre problème insécurité nous gagnons en général. Ministre a fait 15 ans ou 17 ans dans le pays, presque, et bien le ministre a allé, nous retomber dans le même problème yon encore. Donc, fois ça, nous dit, si une force internationale qui a venu par la force des choses, nous avons accepté qu'elle vienne parce que les Haïtiens ont besoin de vivre, mais en même temps, tout faut nous penser à demain. Bam, un poisson pas bon, montrez-moi plutôt comment pour me pêcher. Donc, nous dit, faut que force là, résout le problème de sécurité immédiat dans le déploiement pour le faire sur l'ensemble du territoire national là. Deuxièmement, faut qu'il travaille pour renforcer force nationale de sécurité nous gagnons la police avec l'armée. Donc faut qu'on investissement qui fait tout dans police nationale la PNH là et la FADH là pour lorsque mission ça aller et ben nous capable prendre le relais pour assurer sécurité et population. Weekend n'a fait un an depuis Jean Sixon 10 ans clôté perdit madame ni ak deux petites filles. Nous songe ça madame ak deux petites filles badi nan quoi des bouquets était touyé mettait du feu nan machine nan yo tap sou église yo c'est adventiste mais yo l'année après jusqu'à maintenant malin glan pour koka guéri li déclaré pas gain action et ka fait pour famille joine justice yo l'année après li difficile pour continuer vivre sans madame ak petite li. Jean Sixon 10 ans annoncé une ensemble activité pour marquer date assassinat sous des petites filles avec madame l'en écouter à déclaration Jean Sixon des enclos pour plus de détails. Très triste, c'est pas facile même puisque faut que de fonction de père là et de époux tout de suite là même papa encore puisque des papa c'est fort bien petit mais aussi des fonctions père là dans même et fonction marié pour madame moins passer tout donc qu'il y a là ma vision
une histoire que jusqu'à présent son film Gérard Joseph là que mon grand chambre là et d'amrété nous t'ai fait une exposition photo des amis famille qui t'est venu faire ce moment avec okay. Parce que samedi c'était 19 c'était la veille et puis hier nous t'allé dans Kaila nous débravé le danger par rapport avec zone là nous t'allé prendre mon cher nous t'allé Macadou, non, m'dé dans le cas là, m'fè journée, y'a pas ton bâle qui passe. Situation m'a vivre la terre. Vous comprenez? C'est pas facile. M'a pas souhaité ton aucun monde dans la situation. Ou année, ou pas tendé, ou petit tout cap de papi, comment est, papi, blessa, papi, coupa, et tel bagage. Vous comprenez? Donc, c'est tout à fait. Et quand ça m'a arrivé à tel bout, c'est une zone là, presque une zone. Invivable, on a bien des lèvres, on s'y chappe, ou à l'gade de Kaila, et puis, bon, voisins, autres, solidaires, on a bien des gens qui va les déplacer, même eux-mêmes, et que, t'as pour hier, et puis, samedi, moins doux, ou jusqu'à jeudi, lundi, samedi après-midi, m'y allé, et puis, le lundi matin, là. Donc, mais, c'est comme ça, m'y vivre, et, oui. Année, ça. Première oui. Année, depuis, à ça, 5 ans, dans la chapate, assassiné, typiquement que on prend temps pour me former, pour me construire, qui était qualifié de société là. Donc on est bien une petite ministère des finances, et on cadre bien une petite APN et maman était toujours APN, l'autorité portuaire nationale comme secrétaire. Ça, c'est bah, de monde, de monde qui construit des choses, ça passe malandrin, sans foi ni loi, les tirer fonction père de famille en même, tu comprends? Et dans sa là. Bon, en tant qu'avocat, moi je fais légalement par la loi du fait porter plainte, porter plainte dans le parquet, porter plainte de CPJ pour recherche, mais on attend. C'est la nourriture. Mais moi-même, je ne fais pas de femme, parce que femme, en tant que citoyen, responsable, et je ne fais pas de femme. Je prends des assistants psychologiques, des amis dans le cabinet, parce que Florent, des amis à Jikael, qu'on aime pas, et Jikael, dans le cabinet. Jean-Mi nous connaît, t'as poussé Jean-Louis, Pierre François, camarades, yo, moi, je vois, mais, ça pas suffit, au con, ou essayer, pour qu'à vivre, mais, sauf que je suis capable de bien bon Dieu, mais que c'est pas bon Dieu, mais des canons sans, psychiatrie, ou du moins, je suis sur des points. Donc, bon Dieu, je suis là, je fais qu'on y a un cap à la. Et en dehors de ça, chaque semaine, ça pour arriver jusqu'à mercredi 23 août. Mercredi 23 août, c'est l'anniversaire de Cher Oudsonji, qui était le premier pour mettre taxi mandaté. Ça veut dire que prendre un déplacement vers eux, si on va faire tel coup à côté, etc. Il mettre tout, mettre mal à disposition, ou qu'on peut faire. Même si on connaît conduit, mais dans un moment, ça, on connaît. Faut pas qu'il y ait de bagages que vous voulez faire, parce que pour vivre, parce que c'est ce qui nous tire, mais la vie, on connaît nous en période, depuis août la paraît, août la pas de bon moi-même. Parce qu'on connaît, c'est dans le mois d'août là, moi marié, ou là, et c'est 15 août marié, mon est mouru le 20 août, et ensuite, le 23 août, c'est anniversaire, petit film, c'est le petit film. Et nous pas besoin d'eau. Et l'autre plus gros problème encore, nous avons, on nous que, une cadre qui est très apprécié, c'est le premier août, mais qu'on est le mourir, c'est Liliane Pierre-Paul de Radio Cité-A. On me dit que c'est très cher pour moi. Okay? Donc, moi, je ne pas de bon pour moi-même. Vous comprenez? Ça fait serré qu'un B, mais on connaît mardi et mercredi 23 août là, et collègues qui sont finis, qui sont dans la APN, qui a organisé une activité pour lui. Tout bagage ça, vous comprenez? C'est de la même façon première année, là, qui fait chaque semaine, où on est, bon Dieu vivant, et c'est grâce à elle qui s'est maintenue de là, mais peut-être pas ça, ça a rajouté dans son psychiatrique, eh bien, on suicide. Qu'il y a le dirigeant du réseau national Cap Défense Droit Mounio qui présente un rapport sur la violence qui est enregistrée dans le département l'Ouest à la Tibonite dans le commencement du mois d'août. 73 monde mourir assassiné sur le 4 pour le 16 d'août. 54 dans le cas Foufeuille seulement. Marie-Rosie Auguste du Sénat qui dénonce les actes violents a critiqué l'autorité au gouvernement qui a croisé boyau, a regardé la population Cap victime, bah, mais bandit, de lancer un appel, bah, population pour le prêt à destiner. En côté Marie-Rosie Auguste, dans le micro, tac,
609. Depuis commencement mois d'août 2023, RNDDH noté une escalade violence dans pays a particulièrement dans département l'Ouest avec département Latibonite. Plusieurs localités dans deux départements sa yo a subi attaque dans main bandi armé, mais ça que nous surtout remarqué c'est que ça a commencé par des attaques sporadiques évoluer au fur et à mesure en des attaques intensives. Sorti 4 pour arriver 16 août 2023, RNDDH dénombré 73 monde qui mouri assassiné. 54 parmi eux mouri assassiné dans Kafou Fey seulement pour même période là. Encore une fois, RNDDH dénoncé en pile violence qui enregistré dans différents attaques sa yo. Par exemple, dans Kafou Fey, bandi armé qui fait partie de Team Ascenseur, qui dirigé par Renel Destina alias Tilapli, attaqué population et ceci sans pitié. Yo traqué moun kap tenté sauver pour yo exécuter yo. Par exemple, Peterson Jerome, 28 l'année, était rete dans rue Bien-Aimé. Dans Kafou Fey, dans soirée 14 août 2023, il t'a tenté sauver, les li recevoir yon balle selon sa famille dit non. Il t'a continué courir quand même, mais bandi yo suiv li et yo achevé à coup de couteau. Gen des séries de cas côté que c'est toute une famille qui décimé. Par exemple, 13 août 2023, Jocelyn Moïse, 18 l'année, Pauline Victor, 75 l'année, Jocelyn Moïse, 35 l'année, avec deux petites filles qui gagnent 14 l'année et 3 l'année, mourir assassiné dans un seul kay. Yo te membre même famille. Même scénario cynique ça passé dans kay la famille Paul côté 5 moun dans même famille donc mettez avec deux amis qui étaient colté yo mouri assassiné parmi yo Marichout Paul 60 l'année avec Méridier Paul 70 l'année Mona Pascal Etienne 46 l'année Jean Etienne 50 l'année et Rebecca Etienne 12 l'année mouri assassiné tout dans Kafou Fey la kay yo jour qui était 14 août 2023 différents exemples ça que nous prend c'est pour capable montrer que en réalité grand monde petit monde femme ou garçon élève l'école jeune femme ak jeune garçon dans université pas épargné bandi yo assassiné yo dans une violence aveugle RNDDH remarqué que dans la Tibonite avec dans l'ouest là gang yo activé dans l'idée pour kembe un climat la pérez sous tout pays ya. Dans deux départements sa yo, victimes survivants que nous rive parler avec yo dit nous que la police pas vini aider yo du tout. Donc population lagué des bras balancés et autorité yo décidé bay bandi population. Et justement sous point ça, RNDDH rappelé que Conseil supérieur police nationale là qui gagne en tête li premier ministre de facto à Ariel Henry entouré tête li de yon bon individu fantoche dans CSPN là et qui d'accord avec politique de chaos ça que lui-même avec directeur général police nationale la France LB a metté en œuvre dans pays a depuis plusieurs années c'est peut-être ça RNDDH a dénoncé dans cadre rapport ça que lui fait sortir 18 août 2023 ça que lui relé complicité conseil supérieur police nationale là avec bandi armé qui a simaillé la terre dans pays a RNDDH rappelé tout pour tout le monde que là en fait n'a parlé de droit à la vie, droit à la sécurité, droit à l'intégrité physique et psychique, mettez avec droit à la propriété privée de toute une population qui c'est des droits fondamentaux. Les une population a vivre dans négation droit ça yo, li gagnent pour obligation pour organiser et résister. Et dans ça qui gagne ouais à population haïtienne là, RNDDH estimé que l'île est pour résister contre gangstérisation l'état avec gangstérisation pays. RNDDH a rappelé que Conseil supérieur police nationale là qui gagne en tête li premier ministre de facto à Ariel Henry entouré tête li de yon bon individu fantoche dans CSPN là et qui d'accord avec politique de chaos ça que lui même avec directeur général police nationale la France LB a metté en œuvre dans pays a depuis plusieurs années c'est peut-être ça RNDDH a dénoncé dans cadre rapport ça que lui fait sortir 18 août 2023 ça que lui relé complicité Conseil supérieur police nationale là ak bandi armé yo qui a simaillé la terre dans pays a RNDDH rappelé tout pour tout le monde que là en fait n'a parlé de droit à la vie droit à la sécurité droit à intégrité physique et psychique mettez avec droit à la propriété privée de toute une population qui c'est des droits fondamentaux. Les une population a vivre dans négation droit ça yo, li gagne pour obligation pour organiser et résister. Et dans ça qui gagne ouais à population haïtienne là, RNDDH estimé que l'île est pour résister contre gangstérisation l'état avec gangstérisation pays.
Réseau national Cap défend doit moun yo dénoncer comportement commissaire gouvernement Miragouane agent Ernest Muscané Cap Flana Gozam fan fois chaque jour qu'a fait exécution sommaire au lieu de remplir mission comme ça doit qui s'est mettait action publique en mouvement contre tout monde cap commettre zak malhonnête dans commune. Mayrosi Auguste yon dirigeant réseau a dénoncé silence mini justice dans dossier ça et puis exiger ouverture enquête sur sa moun commissaire exécuté avant ou t'arrive au déplacer tabatoir celle qui trouve un lycée qui a dû annoncer dénoncer mauvais conditions la vie mené dans site ça déplacer ça qui par contre qui s'est priorité lancer un appel par autorité concernée pour retirer dans condition malouk ça quelque n'ayo te nan Josué Bella beaucoup rien passé pas gagne qui gagne moyen c'est ça que t'as pour faire nous gagne moyen parce qu'on est côté nous té a bandi mettez nous dehors travail bloqué pas gagne activité sinon là nous pour reconnaître ça contre l'état nous là l'état qui nous font bagarre pour nous qui pour parler avec Jean Le Bois cap mettez mon audio pour tout net à régler à faire bagage business parce que beaucoup cajuna aucun cop pour vous mon l'école là c'est pour visiter le petit la charge la bagage c'est qui parle pas aucun dirigeant même anne de commencer entre bouche dans la parole là anne était école longtemps il était avec tout l'autre agent OIM notre bagage bon yo fait OIM pas entrer là yo fait l'autre copain pas entrer là des gros dossier bail de 10,000 dollars tu as parlé pour parent yo tu lever là alors fait mes caille bon bagage ça a coupé sec même bagage bagage qui parle quoi même c'est ça qui manger qu'on veut là banou vrai type de banou type de pour nous bien on l'est comme ça depuis c'est copain tout qui était commencé signer tout à l'école yo la gagne dans combat pour nous connait qui ça nous va faire parce que nous va pas retourner côté nous te parce que bandi mettez nous dehors si reste pour qui était le bois là yo mettez au dehors yo craser caillou bouler bagaille pas bon nous va pas nous va pas retourner côté te encore peigner l'autre côté connait nous dégager entrer en famille nous là si gagne qui gagne ti manger li partager avec nous l'un et l'autre parce que nous là nous pas en sécurité côté nous là nous pas en sécurité parce que nous pas connait n'importe les bandi qui doit monter tête mien là yo vient envahir nous là parce que nous là c'est sous côté bon Dieu nous là seulement parce que nous pas aucun dirigeant qui vient voyager pour nous bon toilette là faut gagner 4 pour toilette pas ça non pas simple mais ça c'est nous là nous bon même doit pas passer propriété vinn ba un petit dollar depuis tant date il te bail droit là et pas tout monde qui jeune d'eau pour bien faut petit tout bien on sait un gallon de pas les laptop petit une activité qui fait la même bon mais là encore mais commencer inscrire là parce que nous compte qu'il est il a mettre nous dehors là il a besoin là pour l'école là bas l'ouvrir là parce que depuis avant là il a commencé à inscrire monde là pour l'école là bon faire l'école là pas besoin qu'on parler c'est plus que ça mon plus besoin c'est à faire besoin pour nous dormir pour nous à l'aise pour nous en sécurité parce que pour l'école là même si nous te perdit 3 années 4 années pas un problème parce que nous là nous pas en sécurité côté nous hier là même nous juste ça nous besoin pour l'état disons bagaille pour nous au soir c'est là bas nos corps pour nous sortir là pour aller faire mécaille au soir pour aller parler avec dirigeant pour faire la paix. C'est même réalité en déplacé Kafou Feyo qui plusieurs centaines n'a vivent dans gymnasium Vincent là-dedans yo gen 400 monde d'après responsable site ça Jean Janine Guillaume qui souhaitait l'état prend disposition pour retirer déplacé dans espace loisir ça qui pas approprié pour recevoir quantité monde ça qui gen risque maladie avec viol soumis Damion côté Jean Janine n'a toujours dans micro taxe 609. Nous avons l'église qui est sous la montagne là qui gen la donne 25 familles. Là-dedans, et dans le monde qui était là, qui était là, nous avons un total de 133 familles. Qui repartent comme si les familles avaient 4 timons, 5 timons, 8 timons. En tout, nous avons un total là, pour femmes seulement, nous avons femmes comme si de façon, comme tu as dit ça, qui parlent mal, ils ont un parent monoparental, nous avons 150. Femme à petite qui paye mal qui accompagne nous gagnons 400 timons sur ce plan et puis nous gagnons famille qui entend nous gagnons 53 familles qui fait un total de en famille l'église là et famille en tout cas plus qu'une centaine de familles qui repartent mari et madame nous gagnons 10 personnes handicapées nous gagnons 15 femmes enceintes ça maintenant nous pas plein trop nous gagnons 10 mais pas qui à n'importe là que nous venons pour nous qui bat nos blocs actuellement on a pas 10 mais pas à vidéo de l'eau derrière là. Nous avons mes libres pour presque toujours côté plage au Pomonio. Nous avons CAS qui toujours côté plage au Pomonio. Jusqu'à maintenant, nous avons vivre, mais ce n'est pas ça qui a besoin pour nous dire que nous avons besoin parce que l'espace n'est pas approprié pour ça. Parce que ce n'est pas une catastrophe naturelle qui est passée.
moun yo c'est pas problème manger rien moun yo c'est tout avoir nous on va dire qui perdu il y a moun qui défend 10 ans 30 ans pour te consentir le temps et puis qu'on y a pour venir driver là c'est pas problème manger moun yo rien moun yo besoin d'assistance et puis n'a demandé pour être capable voyer un centre de sécurité pour nous parce qu'on connaît que les relations femme à garçon toujours une tendance viol et harcèlement bagasao n'a demandé pour gouvernement cap responsabilité parce que moun yo pas grand vous moun yo juste besoin moyen en main pour fonctionner c'est un espace de loisir c'est gymnase qui te fait pour un but bien déterminé, nous pas de capacité pour nous recevoir de quantité de monde au jour le jour. A dit, nous avons 800, 400 personnes qui ont toilette, puis nous avons notre quantité de monde. Ouais, imaginez, nous avons un petit bébé qui a acheté des diapers qui partent la latrine, qui c'est un water hygiène privé. Ça veut dire que faut que le gouvernement soit capable de mettre des séries d'emplacement contre le monde qui a besoin. Surtout pour mesdames qui ont bien, pas de espace vraiment qui est approprié pour nous, pas de douche. Il est nécessaire de mettre des séries de poules là, faire des séries de petites tentes. On est capable de prendre la pique à tomber là, on est obligé, quand on est de 5 pages de moins, c'est un peu obligé d'entrer, mais on est dans son terrain qui va approprier pour nous habiter. On va pas qu'on est dans tout le temps, on va pas faire tout ça. À dire deux ans, on est capable de prendre la moyenne en main, mais on est capable de tomber, au moins on est dans un espace pour que quelqu'un attrape. Gen coordonnateur Kaza 4e section Tipal Misses Le Lagonav konta Renin qui dénonce gouvernement qui gen 6 mois depuis yo pa paye yo kit paysan yo ki te travail dans cadre programme apaisement social la. Konta Renin lance un appel bay autorité concernée pour voir garder paysan sa yo ka fè face à en pile difficulté en côté konta Renin dans micro attaque 509. Moi vle rappeler l'état central l'état haïtien depuis 6 mois, yo te prône yon question apaisement social, côté que pour paysan te capable de yon soulagement. Au lieu de soulagement, mon remarque c'est peser, l'état central peser absea, ka fait paysan mal. Donc nous même étant que Kazek, nous te prenons responsabilité de concert avec leader communauté pour nous voir exactement si nous te capable de faire choix des monde qui plus vulnérables. Pour être capable de bénéficier de ce travail-là. Même genre, l'État te dit apaisement social. Je ne veux dire, nous avons 6 mois depuis que les paysans n'ont pas capable de toucher ce monnaie que l'État te prévoit pour le bail-là. Donc, moi, j'ai lancé appel ça avec l'État haïtien pour nous dire que, Kazek, plus particulièrement, moi-même, content René, m'a confronté il y a un gros problème par rapport avec nous-mêmes qui te fait choix moun sa yo pour être capable venir travailler venir bay support yo venir bay appui dans route cap permettre que si un moun malade pour faciliter que moun n'est capable arriver l'hôpital. Donc dans sens ça nous lancer appel là avec l'État haïtien pour que yo penser pressé pour yo permettre que moun yo joine salaire que yo te prévoir pour te bailler. Question éducation, gain en pile incertitude même si nous que y a ministre éducation qui voulait pas voulait li mettre tête droite pour réouverture des classes 11 septembre qui vini là, mais j'ai un tableau à montrer à clair, tableau à dessiner le montrer à clair, li censé impossible pour que l'école t'arrive l'ouvrir en septembre surtout avec ensemble de moun sa yo qui est déplacé dans Carrefour faire dans Savane Pistache, ensemble de moun sa yo qui perdit tout bien yo, ensemble de moun sa yo qui peut-être perdit travail yo. Comment yo pral faire vos répétitions? L'école est déjà même examen officiel 9e année fondamentale tout département pour qu'on gagne. À qui cob yo pral voir ti moun yo l'école? Qui disposition qui prend bon côté autorité dans l'état yo pour capable accompagner groupe de moun sa yo qui par contre qui sien pour les groupes de moun sa yo qui la gagne deux bras balancé. M'gay ministre éducation à vivre dans le monde et puis moun sa va vivre dans le monde sak nan tèt ministre là nan moun sa yo doit faire yon santé économique parce que yo pa di bien yo bon gen impression même là yo pa perdi bien yo ça pas empêcher que jusqu'à journée je dire que la gen difficulté pour vivre ti moun yo l'école la vie a vinn chè chaque jour plus ken moun et dans moment là automatiquement d'ouvrir l'école la mois de janvier ou pas t'as pas assez de moyens pour être capable voyer ti moun yo l'école dans qui disposition qui pourrait bon côté autorité on pas connait mais seulement il était avec date 11 septembre qui est l'autre problème qui posait encore n'a vu ni nous pas venir avec dirigeant association par élève d'Haïti confident fédère qui dénonçait ensemble directeur l'école qu'a monté frais scolaire au 17 protéines alors que responsable d'un ministère, pas jamais dit rien, pas jamais sorti communiqué, et en cas où il t'a sorti communiqué,
qui balise qui mettait pour capable forcer et l'école ça y respecter. Est-ce que gagne une branche dans ministère lorsque mon yo victime dans sans ça pour y aller porter plainte? Et si oui, est-ce que lorsque porter plainte gain suivi qui fait? Maintenant, il est important pour que ministre Nesmina Maniga capable prononcer ce dossier ça puisque c'est chaque année divers syndicats dans le secteur éducatif là qui appelé vivoyo pour dénoncer mauvaise foi ensemble directeur l'école qui après le mané plaisir pour monter mettre sous l'argent tête nègre si mon nan l'école déjà l'elle prend année classe suivante là si on pile l'argent pour l'obliger dénoncer syndicaliste dénoncer tout responsable du ministère qui fixe date l'école pour 11 septembre ça pas pris en compte différents problèmes par élève à faire face tant coup problème de sécurité problème économique pour ne citer ça seulement il souhaitait l'état prend disposition pour résoudre problème ça yo confident fidèle dynamique contact section 9. Voilà, c'est comme ça. Ça y est, pour question éducation, hein, voix qui continue à pleuvoir. Chaque année, nous connaissons toujours comme ça. Parents toujours gain difficulté pour être capable de mener voyer timon. L'école, nous connaissons ça, mais on connaît tout. Pas jamais gagné aucune annonce, disposition qui prend bon côté autorité, yo, pour dire, maintenant, des séries de zones, gagné lycée Kafoufeuille, qui logeait Mounio, gagné lycée Karade, qui logeait déplacé Tabar, sans compter que des séries de l'école privée, dans zone métropolitaine, qui logeait un groupe de Mounisario, est-ce que il dit que l'école a pas le pour dire, l'école a pas l'ouvert en septembre, nous pas arrêter là, bon, même s'il t'a dit ça, côté au calvaire, qui disposition qui prend bon côté autorité l'État, yo, pour moun sa ou capable retourner la caillou pour moun ki pa gè caillou ki pa san ba flam di fe bien sûr et moun sa ou ki gè caillou ki pa san ba flam di fe ki disposition ki prend bon côté autorité yo pour que lè ou soti nan abri provisoire là pour bon côté au moins y a capable fermer les yeux yo pa pou ouvèje pour bon côté tout ki pa trop ki pa ki tromper soleil ki pa ka tromper la pluie non. Li important pour que et ministre Nesmi Maniga mette des pieds la tête non parce qu'il y a l'année où elle a passé parce que li pas arrêté là avec question en septembre et réalité a montré à clair li impossible pour l'école capable ouvrir dans date ça surtout avec question et phénomène de sécurité même si nous connaît pour des scolaires qui sont passés à la c'était mois de janvier l'école a été ouverte à cause phénomène de sécurité bon peut-être que le gain velléité pour capable permettre avec plus timon pour que ça passe l'année dernière pour que le pari produit pour l'école pas ouvert très tard mais que les de bagarre ou pas si autorité compétente qui pour prendre des dispositions pour résoudre phénomène de sécurité si tu gain sécurité en d'un pays mon yo pas jam quitter zone pour y aller sauver pour yo mon tabac pas jam quitter caillou pour y aller devant ambassade mon kafou fait pas jam quitter caillou pour y aller dans gymnasium Vincent côté que l'appli a tombé yo pas ka dormi même là yo dans espace si on j'ai l'ouvre on j'ai fermé yo par contre qu'il est monsieur examen capable vienne attaquer yo en tout cas nous respirer autorité éducative yo pral pencher sous dossier ça dans l'idée pour capable permettre avec citoyen yo voyez petit yo l'école pour 5 heures sauter parce que moun yo a gen pile problème les parents nan abri provisoire les l'autre si moun a passé pral l'école li wè petit li là tandis que si bandi pa metel de yo petit il t'a pral l'école si bandi pa met dife nan kay les petit il t'a pral l'école ça capable yo un impact psychologique non seulement sous parents mais tout sous ti moun nan tout qui prend chital connaît chaque année toujours à l'école mais l'ou elle rete chital pa ka l'école maintenant les responsables yo joue la ballon on a pied nous dégager nous faisons les gens pour nous accompagner parents sérieux et puis responsables concernés pour nous résoudre des problèmes de sécurité. Nous dénoncer puis l'école yo qui continue à monter 17 hôtels en bas de autorité l'État yo pas jamais gen moun qui dit rien pendant ce temps nous non situation économique qui difficile. Jeudi à là l'école prévoit pour ouvrir en septembre prochain. Nous même dans association parents élèves d'Haïti Aspayet c'est pas rôle nous pour nous dire l'État l'école là pas qu'à ouvrir mais par rapport à situation qui difficile nous dit là si l'État décide à ouvrir l'école là dans condition ça pas gagner en quantité de monde qui prend l'école parce que propre l'école le cap toujours ouvrir mais si monde yo cap pas cal l'école premièrement nous dans situation insécurité qui forçait plusieurs monde dans région métropolitaine en particulier Kafoufeuille qui gagne plusieurs milliers de familles qui déplacées zone Solino dernièrement c'était comme ça actuellement pendant on a parlé ça situation presque même gens dans zone la plaine en particulier sous zone de la voie
Sans compter dans le département de la Tibonite, dans le lien cour, dans l'autre commune, dans le département, côté nous qu'on est qui occupé par négatif, par bandit, qui a terrorisé la population. Dans le contexte d'insécurité difficile comme ça, nous souhaitons l'État, s'il veut l'école là ouvrir, pour prendre responsabilité, créer conditions sécuritaires pour l'école là ouvrir. Nous souhaitons l'État, dans la situation économique qui est difficile, nous y est aujourd'hui, même avec autrefois, pour voir comment il y a assisté les gens qui sont dans la situation économique difficile. Il y a des parents, jodi a la ki poko pran kanè si moun yo direksyon l'école la fè pression sou yo pou pran kanè et puis l'école la fè préparatif pou l'ouvri 11 septembre prochain moun sa comment l'pa permettre si moun nan l'école nou pa konnen ki sa l'état pral fè comme nou nan environnement bon insalubrité ki presque pran toute zone métropolitaine nan nou même nan niveau association nous souhaité autorité ouvri des travaux haute intensité main d'œuvre même si nous rete environ vingtaine de jours mais ça ta ka facilité même au deuxième semestre maintenant parents envoyer ti moun yo l'école yo t'a profiter occasion faire nettoyage sous plan environnemental nettoyer côté salio orphelin yo nettoyer yo et puis yo t'a facilité tout au moins des trois parents jeune petit bail maintenant poche yo pour t'a préparer l'école parce que pas gain temps pour faire rien pas de vacances parce que gain de l'école yo pour même gain mois depuis yo fermé et l'école là gain temps à ouvrir 11 septembre prochain nous même nous souhaiter 11 septembre pour l'école là ouvrir faut l'état jouer partition pas même gens ça te kon fait autrefois yo te kon subventionner livre yo kon fait en subvention de manière directe par moun ki pi pauvre yo l'école yo a monté a qui vraiment bay problème bien que bon loi sur frais scolaires qui voté et publié loi qui prévoit des fois les situations économiques la difficile l'école la ka monté vrai mais elle pas doit dépasser plus passer 10% mais ça doit faire chaque 4 ans et pas ça nous constater avec son loi pas appliqué son loi qui vraiment désuet chaque année direction l'école monter l'école yo avec pourcentage yo vle pa gen moun nan l'état pour dire non nous vinn garder nous dit ça que fait ça c'est parce que dernier recensement fait là dit l'état gen 17% l'école qui public gen 83% l'école qui privé quantité l'école ça yo privé a vinn censé contrôler l'école là l'état fermé geli sous ça la sous frais scolaire là te prévoit pour te pas payer frais d'entrée moun ki nan direction l'école yo en particulier moun nan l'école publique yo privé yo décidé faire moun yo payer sous année pito yo pas mande frais scolaire yo augmenté cob là yo doit payer le paversement premier versement yo meton quantité cob wa bay ça veut dire loi yo contourner li yo pas vle mettre loi en application yo te kon di question graduation pour suspendre nan année ou même yo faire fête fin d'année ça dit son loi qui désuet qui méritait les gain parlement pour ta corriger parce que vraiment situation économique par à vivre là façon nous ouais directeur l'école a monté l'école nous pas certains parents en Haïti a ka payer on aller l'école pour timoun yo pendant ce temps article 32.1 en constitution préciser l'école fondamentale yo parti fondamentale là timoun nan doit l'école ça c'est de manière gratuite nous pas jamais ça fait dans même article 32.1 ou 32.2 a dit tout l'état doit bailler au matériel ça pas jamais fait nous pensons faut l'état prendre responsabilité au devant situation ça surtout par rapport à situation économique par faire face et puis l'école là pauvre pas aucune entité dans ministère éducation nationale qui jamais pipé mot sur question ça sinon l'école là qui a ouvri date 11 septembre l'état prévoit pour l'ouvrir mais propre là qui a ouvri capable pas rien petit monde parce que situation économique là trop difficile à cause surtout des directions l'école qui a fait des exigences à parents pour faire ça yo pas ka faire. Nous après tourner en province mais fois ça nous pour aller dans Rivière la Tibonite avec correspondant nous Désir Venès. Insécurité qui tabli dans région Balatibonite n'a pas suspendre plonger habitants dans la misère. C'est chaque jour bandi base grand griffe ça veut pas papier puis porter aller tout ça habitants au posséder ensemble localité. Jeudi mardi 22 d'août là bandi yo tiré en pile coup de balle dans localité Belanger qui était causé panique dans la population. Désir Venès depuis département la Tibonite pour plus de détails. Situation insécurité dans région Balatibonite là a vinn pi compliqué presque chaque jour bandi base grand griffio pa passer journée yo pour yo pas débarquer dans localité pour y al piller mardi 22 août 2023 bandi base grand griffio débarqué dans localité Belanger yo tiré en pile coup de zam qui t'ai causé groupe panique sous route Verrette Ponsondéa qui t'ai la cause en pile monde t'a couru et même circulation t'ai obligé camper
bandi yo pour te aller en pile tête bête paysan yo qui la cause yo nan gros difficulté. Habitants yo mandé ak responsable ki nan l'état pour penser ak situation yo en pile nan parent ak élève yo ki gros doute sou année scolaire qui a vini pour année 2023-2024 là. Yo mandé responsable mais merci en pile à Désir Venès. Nous te ba information ça dans commencement journal là puisque nous dans ville province avec bandi Kokouat San Ratio qui détourne un bus qui fait port de paix à Port-au-Prince. Bus ça qui était chargé avec passagers. Nous te ba information ça bien bonnet dans matin bandi yo a détourné bus ça yo kidnappé tout passager qui gain en dans bus. Nous espérer bon, même si nous dit ça mais c'est pas ça qui a fait puisque c'est pas première fois moun nan zone sa victime za kidnapping. Nous espérons moun yo après jeune libération yo mais jusqu'à journée aujourd'hui jusqu'à après-midi on n'a pas dans n'a pas information amis internautes pour qu'on ait aucune information pour qu'on ait si bandi yo a contacté famille victime yo. En tout cas yon dossier n'amgé pour nous suivre. Zami internaute, c'est la journée la Kabbala pour là un journal qui est arrivé pour cyber grâce à concours toute équipe à salle nouvelle la micro présentation Jean-William Sivier. Bonne nuit tout le monde, rendez-vous demain si tu veux pour une autre édition de nouvelle. Fais un pile prudence parce que la terre a piégé.